En sport, la 10e assemblée générale de la Fédération islamique de la solidarité sportive tenue à Riyad en Arabie saoudite a pris fin le 21 novembre dernier. À l'issue de cette assemblée générale, le Tchad a été élu membre du bureau exécutif. Innocent Kilayou. Membre de la Fédération islamique de la solidarité sportive depuis 2001, le Tchad n'a jamais obtenu un poste dans le bureau exécutif qui est composé de 12 membres. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le Tchad vient d'être élu membre du bureau exécutif de la Fédération islamique de la solidarité sportive. C'est à l'issue de la 10e assemblée générale élective qui s'est tenue du 18 au 21 novembre 2017 à Riyad en Arabie saoudite. Pour ce qui concerne l'Afrique, on était 15 candidats pour 4 postes membres. Et sur les 15 candidats, nous avions été 4 à être élus, c'est-à-dire la personne de moi-même, et l'Ougandais, le Sénégalais et en même temps l'Algérien. Considéré comme l'une des grandes institutions qui a pour rôle de développer le sport dans le monde islamique, la présence du Tchad dans ce bureau exécutif sera salutaire pour les sportifs nationaux. Nous avons souhaité que des moyens nécessaires soient, des fonds soient levés pour aider les pays qui pratiquent le sport, les pays musulmans qui pratiquent le sport. Et l'Arabie saoudite mettra dans les années qui viennent un certain nombre de visas Umrah et Hajj pour essayer d'aider effectivement les personnes qui ont pratiqué le sport. Les membres du bureau exécutif de la Fédération islamique de la solidarité sportive ont un mandat de 4 ans. Ils ont pour défi de promouvoir le sport collectif dans les pays islamiques.